Parce que l'évangile, ce n'est pas ça qu'on a dit, mais c'est ça qu'on est. Alléluia. L'évangile, ce n'est pas ça qu'on a proclamé, mais c'est ça qui est en dedans. En vérité, guettez mon Dieu. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur Poser le Peuple. Comment nous te ouais, frère Josué Pierre? Est-ce que le message-là est arrivé sous nous? Ouais, message ça, citoyen poté hier soir, côté la prêche dans l'église, Nazaré, dego naïf, même là où t'es ougan, où t'es malfecté, où t'es lavé pied des fois, depuis autant de serviteurs bon Dieu ça parler, faut qu'on campe pour tant d'elle. Ça, son deuxième fouette là. Fouette là, t'es dit yon bagay avant de mourir. Fouette là, t'es dit comme ça. A bien, une génération, qui a venu, la piplis passée. Et, frère Josué Pierre, t'as semblé à pire que fouette là. Mbote, ton deuxième vidéo, côté frère Josué Pierre a prêché. Mes amis, prends-nous. Prends-nous pour nous capables de tendre des citoyens. Et, maintenant, de nous, un service, s'il vous plaît, supportez, pas ça, qui les déteint info. Déteint info, c'est grâce avec lui-même qui fait nous découvrir, frère José Pierre. C'est pas lui-même, je ne dis pas, je ne peux jamais entendre parler de lui. Mais c'est grâce avec moi-même tout. C'est pas moi-même, je ne dis pas, je ne peux jamais entendre parler de frère José. Nous sommes capables d'entendre bien loin. Mais causer peuple, lui est un petit zin. Mais ça, pire de passer zin. Ma profite saluer l'église Tabernacle de Gloire de Ottawa depuis Canada. Spécialement, Chenet Pierre et Rosie Jean Paul Fonvert. Nous saluons, nous remets commentaire là. Haïti, États-Unis, Guadeloupe, la France, Saint-Domingue, nous saluons, nous ne citer nous tout le monde. Big up. En tout cas, je ne vais pas ma faire, juste inviter nous en attendant. Foya qui t'a prêché l'évangile, mais juste avant, pas oublier, abonner, commenter, partager, et puis comme ça, on peut permettre, Chanel Causer Peuple, pour ce couple de vent. Moi, c'est nous sommes Causer Peuple, nous mettons main ensemble pour nous avancer vers l'avant. Le Dieu de la sainteté, c'est qui est lié, parce que l'impossible pour yon monde mener une vie qui est sainte, sans que au préalable, il n'y ait pas une idée de la sainteté de Dieu. Donc c'est peut-être ça, donc la vision de Dieu de la sainteté est très importante pour ta connaître, pour capable mener une vie chrétienne qui est marquée par la sainteté. Et à soya, nous t'arrêmes parler de deux éléments seulement, parce que nous n'avons pas assez de temps. Premièrement, nous t'arrêmes définir pour vous le mot saint. Deuxièmement, nous t'arrêmes ouais, avec vous la sainteté de Dieu. L'entendez parler de saint, la sanctification, c'est quoi? Et deuxièmement, nous t'arrêmes parler sur la sainteté de Dieu. Est-ce qu'on songe ça? Le bon Dieu t'a parlé avec Moïse. Pour Moïse, t'es construit le tabernacle. Ou après, bon Dieu t'a dit, Moïse, où va construire le tabernacle là? Selon le modèle que vous avez en l'air. Donc, tout ça qui fait sur la terre, pour le faire, bon Dieu, plaisir, il faut le sortir dans l'éternité. Pour yon monde mener une vie qui sainte, ça dépend de ça, le bon Dieu. Est-ce qu'elle a une vision sur la sainteté de Dieu? Donc, la sainteté, c'est quoi? Le mot saint, c'est quoi? Dans l'origine, mot ça, donc le mot saint, il est sorti dans le mot hébreu qui c'est kadosh. Il est sorti dans le mot grec qui c'est agios. Et tous les deux mots, ça, ils voulaient dire mis à part pour Dieu, séparation avec le péché. Et une troisième définition qui c'est la consécration. Je reprends. Le mot saint, li sorti dans deux mots, yon mot hébreu et yon mot grec. Mot hébreu, li c'est kadosh, et mot grec, là, li c'est agios. Tous les deux mots, ça, yon vle dit qui ça? Yon vle dit mis à part pour Dieu. Li vle dit tout, séparation avec le péché. Li vle dit tout, la consécration. Donc,
là yo di yon moun saint. Pour qui ça on dit saint? Parce que li saint, parce que li séparé avec le péché. C'est un monde qui mettel à part. Mettel à part pour le service saint de Dieu. Donc c'est ça mot saint on veut dire. Et qui ça la sainteté de Dieu est. Parce que nous t'ai dit que nous parlons sur le mot saint et la sainteté de Dieu. Mes chers amis, Dieu est saint. Dieu lit absolument les saints. Donc la sainteté de Dieu qui s'allie, la sainteté de Dieu, c'est l'essence même de la nature de Dieu. Donc même Jean, si m'apprend l'homme, si m'apprend le corps de l'homme l'est fait avec poussière, et pas vrai? Dieu prend poussière dans Genèse 1er, il prend de l'eau, il met dans poussière, il font la boue, il font masse, et puis il prend souffler le souffle de Dieu là-dedans. Maintenant, le corps de l'homme l'est fait avec poussière. Et en dépit de gens l'homme qui a frais, en dépit de gens l'homme qui a belle, l'homme égale la matière de l'homme. Ça veut dire le corps de l'homme l'est sorti dans la poussière. Et l'homme met sauté pompé, il n'est pas plus qu'une poussière. Il met sauté pompé, il met pas d'accord, pas accepter ça, gourmet à ça. Le corps de l'homme, même sous toute couleur, ou pas plus que yon poussière de terre qui ont mette de l'eau là-dedans, yon fait l'on masse et puis yon souffle là-dedans. Bon, je bénis l'église. Donc, mes chers amis, même Jean moins dit que le corps de l'homme l'est fait avec la poussière de la terre. Donc, la poussière, c'est l'essence de l'homme, l'essence du corps de l'homme. C'est même Jean tout la sainteté de Dieu. C'est lui-même qui fait mon Dieu s'allier. Ben, moi, bon. La sainteté de Dieu, c'est l'essence même de la nature de Dieu. Donc, bon Dieu pas qu'à saluer sans la sainteté. La sainteté, c'est lui-même qui permet bon Dieu saluer. Et si on retire la sainteté, bon Dieu absissement de bon Dieu. Amen. Parce que la sainteté, c'est l'essence même de la nature morale de Dieu. Et lorsque nous regardons à travers livre Ésaïe, ou après que livre Esaïe parlait de l'expression ça, le Saint d'Israël. Donc Esaïe, il y a un nom que le parlait de bon Dieu dans Esaïe, 30 fois, plus de 30 fois, il parlait de le Saint d'Israël. Donc Dieu est le Saint d'Israël. Mes frères et sœurs, Dieu est saint. Ça veut dire bon Dieu saint. Ça veut dire bon Dieu, il est libre de toute souillure. Bon Dieu, pas une pièce crasse péché là-dedans. Bon Dieu pas même zéro pourcentage péché là. Parce que bon Dieu n'en a sur les saints. C'est l'homme qui fait dans le péché. Mais bon Dieu lui-même, il est un Dieu qui saint. C'est ça lié même. Donc, Dieu est saint, il n'y a pas de souillure la kali. Et prêtez-moi attention. Dans tout le bagaille bon Dieu qui a fait, c'est l'on bagaille qui va faire. C'est le péché. Ou entendez mon Dieu tout puissant, il a fait toute bagaille. Même pas mon Dieu défi pour le faire péché. Il n'est pas capable. Et ça fait tout côté de péché, mon Dieu, qui problème. Parce que nature lui pas permettre pour lui qui bail qui mal. Nature lui pas permettre pour lui un pécheur qui vit dans le péché et puis pour qu'elle content. D'ailleurs, il y a une définition avec le péché. Il dit que le péché lui afflige le cœur de Dieu. Donc si on moun bon, si on moun voulait faire bon Dieu par son mauvais jour dans ville, c'est pour moun ça péché. Parce que automatiquement moun ça péché dans ville, le cœur de Dieu lui attristé. Pour qui ça? Parce que bon Dieu nature lui saint, elle pas ka wè le péché. Il pas ka wè le péché. Donc mes frères et sœurs, ou a songé que à travers l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 27 surtout, verset 19, ou après que bon Dieu te dit, tout ça y'a retiré pour lui, y'a doit saint. Depuis son bagage où t'es dit à bon Dieu, la Bible déclare automatiquement, bon Dieu réclame mon bagage, il tout sanctifié. Ou après, premièrement, t'es gagné les personnes dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, parce que dans ce maintenant, d'après ça, et avec de plus de profondeur, ou après que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, bon Dieu, te oué, moun sa yo, ce sont des moun qui saints. Deuxièmement, dans Exode 27, verset 19,
Ou après, bon Dieu dit tout ustensile. Tabernacle a été gagné, quel son vaisseau, quel son godet, quel baron de saltaire. Depuis son ustensile, dans le tabernacle, bon Dieu réclame et bon Dieu dit son bagage qui est saint. Et ou après, à travers l'Ancien Testament aussi, tu as gagné les lieux. Est-ce qu'on te connaît? Tout côté bon Dieu passé, la sainteté passée avec. Est-ce que l'église est là? Tout côté bon Dieu mette pied, la sainteté obligé accompagner. Pour bien dire, même jour où un président, les présidents déplacés, ils ont toujours besoin d'un cortège ministériel. Les présidents déplacés, ils pas jamais déplacés pour contre lui. Ils ont toujours un corps diplomatique ensemble avec lui. C'est même gens tout. Si m'a dit bon Dieu son président, m'a dit bon Dieu pas déplacé sans la sainteté. Bon Dieu pas déplacé sans la justice de Dieu. Bon Dieu pas déplacé sans la fidélité de Dieu. Bon Dieu pas déplacé sans l'amour de Dieu. Ça veut dire côté bon Dieu passé, lui râler la sainteté, lui râler la justice, lui râler l'amour de Dieu, lui râler tout attribut. Parce que bon Dieu pas jamais fait rien sans pas accompagner avec la sainteté. Donc la sainteté, il va pas séparer de Dieu. Il va pas séparer de Dieu. Et ça fait une façon de carrer le bon Dieu, même si vous parlez le Dieu ou carrer le Saint. On a vu ça dans ce moment non. Ou après Esaïe, non Esaïe 6. Ou après, il n'a pas dit Dieu, 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 non. Il dit Saint, Saint, Saint est l'éternel des armées et dans toute la terre. Vous comprenez ça? Donc, il y a une façon que bon Dieu, ou carrer le bon Dieu, ou carrer le Saint. Le Saint. Mes frères et sœurs, vivre dans la sainteté, ce n'est pas un choix lié, mais au contraire, c'est une obligation. Ben, moi, bon. Vivre dans la sainteté, ce n'est pas un choix que lié. Ça veut dire que je choisis aujourd'hui pour me sanctifier, demain si demain pour me sanctifier, moi d'avril ça pour me sanctifier. Il y a des gens qui entendent parler de la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, bon, les sanctifier. Il y a des gens qui dans la semaine sainte. La compte valeur sanctification. Ça, c'est un gros problème. Un chrétien, ce n'est pas une semaine là, pour le sanctifier. Mais au contraire, la vie du chrétien, elle doit être base la sanctification. Et ça fait texte, ça dit dans 1 Pierre là. Il dit même Jean, monde qui est là, il est saint. Et puis il dit soyez saint dans toute votre conduite. Même Jean, bon Dieu qui parle pas dans le saint. Ah ben moi-même qui a servi mon Dieu, moi dois sanctifier. Donc quand on est là, ce n'est pas un choix fait pour sanctifier. C'est mon bagage qu'on choisit. Ce n'est pas une période où je dis bon, période ça là, moi dans le jeûne, pendant dans le jeûne, non, bon me dit, moi me sanctifier. La sanctification, il n'y a pas rien à faire avec un jour, avec une période. Mais la sanctification, c'est un état lié qui je vais vivre. Donc la sanctification, la sainteté, ce n'est pas un choix qu'on fait, mais c'est un impératif. Son bagage ou pas capable de faire. Son bagage, Dieu prescrit. Chaque monde qui a suivi, bon Dieu m'a demandé pour sanctifier. Est-ce que tu connais l'église? Tu as ça, le diable. C'est un malheur, un monde gagné, laisse qu'elle a joué avec la sainteté de Dieu. Pas moi, bon. Ça, c'est un grand danger. Lorsque un monde a joué avec la sainteté de Dieu. Lorsque on a méprisé la sainteté de Dieu. Ou au début, on a joué avec le péché. Lui, tout pensait qu'elle est la marche avec l'ambabole. Depuis, on a joué avec ses péchés. Depuis, on n'a pas eu valeur à la sainteté de Dieu. Son monde qui pensait qu'elle est ambabole et puis la marche, la flâne. On est capable de son mort en vacances. Son mort en vacances. Parce que l'on pas connaît la sainteté de Dieu a frappé. Donc on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Et tout ça, mon Dieu, réclamait les modèles pour le sanctifier. L'église, attendez bien, n'a pas plusieurs exemples. Premièrement, n'a pas Israël. Israël, bon Dieu choisit Israël pour Israël mener une vie qui est sainte. Puisque bon Dieu est saint, bon Dieu choisit le peuple d'Israël. Elle dit le peuple d'Israël, c'est pour nous mener une vie qui sait pour ne pas avoir de problème avec nous. Gardez pour vous.
Dans Ézéchiel 36, verset 22 à 23, on nous lit texte ensemble. Ézéchiel 36, verset 22 à 23. Ouvrez Bible. Ézéchiel chapitre 36, les versets 22 et 23. Ézéchiel chapitre 36, les versets 22 et 23. Est-ce que l'église est là? N'appuie ensemble. C'est pourquoi dit à la maison qui ça? D'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Qui ça le dit encore? Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de qui ça? De mon saint nom. Continuez. Que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Et puis verset 23 dit, je sanctifierai mon renom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis qui est-ce? Que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Prêtez-moi attention. Pourquoi dans Ézéchiel 36, Dieu a dit t'es choisi Israël, pour Israël t'es sanctifié non, pour Israël t'es marché dans la sainteté. Et puis qui ça Israël fait? Israël a pris idole, Israël a servi idole, Israël a servi Baal, Israël a servi des démons. Et puis les bon Dieu ouais yo abandonné commandement que t'es baillé. Et puis qui ça passé? Bon Dieu dépouillé peuple là. Bon Dieu, voyez peuple là en captivité. Il y a plusieurs nations qui kembent Israël en captivité. Et il y a une nation qui t'emmène d'Israël en pile, c'est Babylone. Et vous regardez qui ça, mon Dieu d'Israël. Dieu d'Israël, ça fait me quitter Babylone, mais dans tes là. C'est pas à cause de où non. C'est à cause de cette thème. C'est à cause de nom porté. Mes chers amis, m'a connu bon Dieu observé à ce qu'on est son petit nom. Bon Dieu observé à un grand nom. Et puisque nous, bon Dieu grand, nous le saint, on peut dégager pour vivre dans la sainteté. Oui, imaginez, bon Dieu d'Israël, ce n'est pas pour nous. Nous voyons en captivité, ce n'est pas pour nous. Il dit, il est innocent, oui, innocent. Mais le problème qui gagne, les gens qui ont péché pour ça, ils regarder ou ça ne va pas toucher ou parce que si tu ne t'aimes pas permettre pour me garder ou qu'à vivre dans l'idolâtrie, pour ne pas faire rien. Ce n'est pas à cause de vous. Il dit à cause de mon grand nom, à cause de ma sainteté. Elle dit Israël, m'a puni ou pour me sanctifier nom dans les yeux de toute nation. Ou quand on a des gens qui étaient ennemis d'Israël. Pour les nations, ça va regarder. Bon Dieu qui t'est sorti avec Israël dans la mer rouge, traversé, hein, traversé canal, traversé le désert, pour nation sa yo a gardé, c'est Israël qui a mis à genoux devant Baal. Bon Dieu dit ça, c'est pas pour vous qu'on a fait ça. Mais parce que vous blasphémez nom devant les païens. Et c'est ça qui est arrivé David. Après, lorsque David finit de tomber avec Bathsheba, et puis qui s'est passé? David connaît le péché. Et ça fait parler que le psaume 51, il va dire, oh bon Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande guisa, selon ta grande miséricorde, etc., etc. David confessait. David reconnaît la transgression. Mais là, il a vu le péché, il pensait tout bagage fini. Et ça fait une différence. Attendez, oui. Entre le pardon de Dieu et les conséquences du péché. Bon Dieu, il doit pardonner au monde, c'est vrai. Mais conséquences, on l'appelle quand même. Bon Dieu qui doit pardonner, ou justifier, ou purifier, pas un problème. Mais conséquence là. Et ça fait les bons yeux, dit David. Il dit David, je t'en déprie là, je pardonne, c'est vrai. Mais il dit David, pour te faire ennemi, je parle mal. Petit péché, la mourir. Petit péché, va le faire, la mourir. Et regardez bien pour elle, David t'en déprie, la va mourir. David commence à jeûner. David jeûner. Malgré David a jeûné. Et puis, mon message vient de David. Il dit David, où mettre levé jeune? Ou bien jeune encore? Passer misère, gaspiller temps. Il dit petite là, il est mort. Mais bien aimé, la sainteté de Dieu va me jouer. Et il y a un monde qui a joué avec la sainteté de Dieu. Ce monde qui a marché avec un secret en babral. Parce que Dieu est saint. Tenez bien, Israël, bon Dieu, t'es puni, Israël.
parce qu'on t'est joué avec la sainteté de Dieu. David t'est joué avec la sainteté de Dieu. Bon Dieu t'a pas frappé premier et petit que Bathsheba t'a pas le faire et pour David là. Regardez bien. Si n'a pas deuxième exemple, n'a pas exemple Moïse. Dieu relève Moïse. Dieu dit Moïse depuis dans Exode 3. Il dit Moïse, moi gon appel sur vie ou c'est où qu'a prend peuple là pour conduire le canal. Gardons appel. C'est où même qu'a prend peuple moyen pour conduire dans la terre sainte, pour conduire le canal. Mes amis, les Moïse tendaient ça, les pensées sont super stallées. Parce qu'elle connaît bon Dieu, pas qu'arrive à peuple sans lui-même. Et pourtant, Moïse font Éon phénoménal. Qui s'est passé? La caille, bon Dieu, pas une superstar. Bon Dieu, respecte les gens qui marchent dans la sainteté. Et ça, je ne sais pas combien de temps de ministère ont gagné. Je ne sais pas combien de temps on marche, mon Dieu. Ça va regarder, mais en vérité, même si son petit monde tout petit, qui vit dans la sainteté, le plus grand, parce que gros leader, qui vit dans le péché, parce que bon Dieu marchait derrière la sainteté, depuis qu'on la sainteté qui paraît, et puis la présence de Dieu marchait. Moïse, bon Dieu dit Moïse, peuple à soi de l'eau, ou mettre parler avec Rocher. Et puis, qui ça, Moïse, hein? Moïse frappait Rocher. Et puis de l'eau sortit dans Rocher. Prêtez-moi attention. Moïse frappait Rocher. De l'eau sortit quand même. Ma posé l'église en question. Qui ça bon Dieu te dit frapper ou bien parler? Ma frère de nous, non. Qui ça bon Dieu te dit? Lui dit frapper ou bien parler? Bon Dieu dit parler avec Rocher. Moïse, qui ça Moïse fait? Lui frapper Rocher. Maintenant, si bon Dieu dit parler, Moïse frappé. Glo pas de sortir. Si mon Dieu dit parler, il désobéit mon Dieu, il frappe. Glo pas de sortir. C'est ça qui fait grand pile monde qui a fait ministère ou pas comprendre ça. Les bon Dieu béni peuple, les bon Dieu voulait béni peuple, il ca utiliser n'importe façon. C'est ça qui fait dans Marc chapitre 7. Regardez oui, Jésus-Christ va le dire. Attendez oui. L'homme, problème l'homme guérir, c'est pas ça qui a entré en dedans, mais c'est ça qui a sorti. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus-Christ dit au dernier jour, il y a des gens qui ont dit, maître, nous t'ai fait miracle dans nous, maître, nous t'ai prophétisé dans nous, maître, nous t'ai chassé des démons dans nous. Jésus-Christ va dire en vérité, moi pas jamais reconnaître nous. Et l'église qui s'est passé, bon Dieu reconnaître un seul monde, c'est le monde qui marchait dans la sainteté. Ah, vous ne pouvez pas marcher dans la sainteté, mon Dieu, pas qu'on nous. Mon Dieu, pas qu'on nous. Mon Dieu, pas qu'on nous. C'est ça que mes frères et sœurs, les très important pour chaque monde qui a servi mon Dieu, pour regarder comment il a servi mon Dieu. Est-ce qu'il a servi mon Dieu dans la sainteté? Parce que nous ne pouvons pas gagner. Ça m'a dit là, il est assez fort. Et maman, de prêter ma attention pour comment ça m'a dit. Ou quand vous avez un prédicateur, il est tombé dans le péché hier samedi. Et puis dimanche matin, il prêche un message tête chargée. Il a finalement un discours à l'emballe. Et puis dimanche matin, il prêche un message tête chargée. Mon béni. Quand il y a des gens qui vont dire comment ça fait. Ah, mais qui s'est passé? Les bons dieux regardent ce Jacqueline qui habille bien cher, qui vient de l'église là. Il y a des gens qui s'habillent, qui vient de l'église là. Il y a des gens qui ont comme taxi payé pour venir de l'église là. Un pour un pécheur, de mon Dieu, pour l'empêcher de la béni. On va bien te connaître. Et là, pour on est capable de péché, bon Dieu a empêché un peuple béni à cause de nous. Moïse ou pas pour te canard, mais peuple sauvé la rapporté au nom de Jésus. Alléluia. Moïse ou désobéir, malgré tout parler ou frapper, ma foi est devant Dieu, ma fait de sortir dans Rochea, mais même cependant, a fait des canards dans le rêve pour ça. Bon Dieu, pas d'avance. Bon Dieu, pas d'avance. Devant cette telle, bon Dieu, pas d'avance. Pièce, mon lavage de figue. Et regardez bien, Moïse paraît en l'air. Ah, on finit de mourir. Pendant ah, on finit de mourir. Et puis, bon Dieu dit, Moïse, vous mettez en jeu quoi, oui. Ah, on je ne mets sol par là. Puis devant, c'est vous-même. Vous mettez en jeu quoi. Moïse, vous mettez jeûne ou à mourir quand même. Vous mettez une onction, visage seulement. Vous ne pouvez pas regarder. Moïse, vous mourir. Pour qui ça?
Parce que l'homme de parler à vous frapper. Et puis bon Dieu, regardez qui ça, bon Dieu dit. L'homme est une frappeur. Bon Dieu dit, peut-être ou pas sanctifier l'homme dans le peuple là. Ma trop. Et pour ça, Moïse, mon. Moïse pas sanctifier non bon Dieu devant le peuple là. Il va sanctifier non bon Dieu devant le peuple là. Peut-être ça, bon Dieu dit, Moïse, ou à mourir. Troisièmement, qui ça nous a qui exemple nous a pris encore? Nous avons pris exemple Belshazzar. Le roi Belshazzar dans Daniel chapitre 5. Belshazzar qui s'est passé? Il a attaqué Israël et puis il prend tout le peuple Israël là. Il est entré avec à Babylone. Et puis qui ça Belshazzar fait encore? Il est entré dans le temple là. Il a lâché tout ça, bon Dieu, t'a gagné. Il a pris un vaisseau, bon Dieu. Ou imaginez-vous, tout vaisseau sacré. Tout vaisseau saint, bon Dieu te réclamé. Et Belshazzar, il prend tout le gode, il prend le vaisseau, il prend la fourchette, il prend qui est tout net. Et puis il allait à Babylone avec elle. Bon Dieu, vas-y, rien ensemble. Et puis qui s'est passé? Belshazzar, il réunit tous les grands du royaume. Il réunit toutes les grandes têtes dans le royaume. Non? Et puis il dit, yo, nous allons faire une fête. Nous allons remercier les démons qui étaient dans nos victoires. Nous allons remercier idole nous yo parce que c'est eux même qui fait nous battre Israël, c'est eux même qui fait nous prendre coupe l'Éternel là, nous pas faire fête pour ça. Et puis qui ça monsieur fait? Monsieur rassemble depuis ses vieux concubines qui étaient gagné, femmes de leur prostituée. Et puis il fait yo chita sous table là. Et puis qui est ouais monsieur fait? Il prend coupe bon Dieu te dit qui c'est, il vide du vin la donne et puis prostituée, femme qui a levé garçon. Ou à Belshazzar, à bamboché, à piafé, à joui, la bourre, nous coupe l'Éternel là. Et puis automatiquement, yo prend coupe là, yo vide dans le bouchon. Et puis, et ou à Belshazzar, li wa yo douet qui paraît dans le mouillon. Li dit Belshazzar, compte, compte, pèse, diffuse, alléluia. Li dit Belshazzar, pour des autres, ça fait là, ou met compte, jouyo, parce que jouyo fini, ou met pèse, regardez. Bon Dieu dit Belshazzar, l'aime ou non plateau, balance moi, moi pas rien. Moi faible. Troisièmement, divisé, m'a divisé au royaume non. Belshazzar, les monsieur gardent droite la campé cri. Monsieur tremble qu'on fait moi. Parce que bon Dieu balance. Et puis qui s'est passé? L'église. Belshazzar va mourir. Il va le traîner Belshazzar. Non, même soirée. Mes chers amis, Dieu pas joué avec la sainteté. Et me dit courage pour tout ça. Gardez bien oui. Yo prend godé à depuis dans temple mon Dieu va dire. Yo porter godé à mon Dieu va dire. Yo mettez dans temple côté yo mettez là mon Dieu va dire. Le bon Dieu agit, c'est là yo prend godé à. Mon Dieu dit aïe, faut me le faire camper parce que c'est cet tellement qui en action. Et me courage pour me dire que mon qui là, yo plus qu'on godé. Si on godé qu'a fait terre, qu'a fait miracle et la vie, la vous plus qu'on godé. Quel que soit monde qui rivier sur la vie, la croiser avec la sainteté de Dieu. Qui là qui compte le chasseur, qui prend ça avec la vie nous. En vérité, si on peut être qui a fait terrible miracle, la vie ou qui a impacté la terre. Yon gode seulement. Yon gode seulement. Yon gode seulement, les chavirons au royaume. Et ou même. Amen. Ou plus qu'on gode. Ou plus qu'on vaisseau. Et que des gens t'attendent là, ou que l'âme de la nation qui est en dedans, la présence de Jésus-Christ qui est en dedans, parce que Jésus-Christ dit, regardez, non, Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, puisque corps c'est temple du Saint-Esprit, pas de rien qui a vu déchouquer la présence de Dieu à travers la vie où l'église se sont acclamés, mon Dieu, pour présence ça, la présence c'est de Dieu, c'est lui qui met au là, c'est lui qui fait chita là, plus qu'on connaît, moi plus qu'on connaît, moi plus. Alléluia. Mes chers amis, dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, les regardez, offrez vos corps. Je vous exhorte, mon frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, à travers le Nouveau Testament, Dieu exige la sainteté. Dieu exige la sainteté. Tenez, ça me va dire pour me terminer. Bon Dieu. Ce n'est pas derrière où mon Dieu marche. Dieu marche derrière sainteté qui en donne. Dieu va marcher derrière pièce monde. Lui marche derrière sainteté qui en donne.
et automatiquement yon moun quitte la sainteté pour vivre dans des zones bon Dieu tout balvam. Bon Dieu tout balvam automatiquement. Parce que la sainteté de Dieu, c'est lui qui râle. Vous voyez ça, peut-être que ça dit dans Somme 34, verset 8. Il dit l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache. Donc la sainteté, il râle, bon Dieu. Il râle, bon Dieu. Mais malheureusement, quand il y a un monde qui va comprendre Somme 34, verset 8, il pense même s'il y a 5 femmes, l'ange de l'Éternel. Quel ange de l'Éternel? Même s'il a vu dans des ordres l'ange de l'Éternel. Mais bon, bah, vous ne comprenez pas. L'ange dit l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange lié vraiment. Mais ça, il y aurait ça la Christophanie, la manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Donc l'ange dit l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange lié, mais c'est Jésus-Christ. Pour qui ça me dit ça? Ou après, il dit campe autour de ceux qui le craignent. Pour qui ça? Il y a un ange qui va camper autour de monde. Il y a un ange qui campe à gauche. La campe à droite, la campe en l'air, la campe devant, la campe derrière. Mais elle dit autour, c'est l'omniprésence. C'est l'omniprésence. Il est tout content en même temps. Et regardez bien pour elle, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, campe la position. Et puis regardez qui ça dit, autour de ceux qui, ça, qui le craignent. Ça veut dire sous la crainte de Dieu, l'ange de l'Éternel va camper. Dès que nous vivons de péché, même sur les sommes d'un droit. Nous sommes un jeune garçon, mais je saute dans ses balles. Et puis pendant que je saute dans ses balles, à 2h du matin, la montre de la Cali. Et puis pendant que je monte la Cali, bon, bonne société croise à monsieur. Mais je commence à râler somme 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manque rien de rien. J'ai dit somme 23, somme 23, somme 23. Chérie, on l'a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car et puis bon malfaiteur dit où mettre fin de réciter somme 23 à manger après. Il a dit, monsieur, c'est nous, ou même Nathan. Finalement, c'était règle, somme 23, et puis confiné dans le vol. Et finalement, malgré monsieur, fini réciter somme 23, il a pris monsieur. Parce que l'évangile, c'est pas ça, on dit, mais c'est ça, y est. Alléluia. L'évangile, c'est pas ça, et pas ça, on proclame, mais c'est ça qui est en détente. En vérité, il y a des gens qui l'ont même s'il va dire somme 23, berger en détente. La marche à berger, la courir à berger, et pas somme 23 qui fait bonjour berger. Mais c'est ça, c'est ça lié en détente. C'est ça lié en détente. En vérité, même si on me font l'air, marcher près de chavir avec, pas occupé, le berger est là. Pas gagné gratuitement. Aïe aïe aïe. Sans le papa et permission. Parce que le berger habite en moi. Alléluia. Mes chers amis, il me plaît tout ça avant de terminer. Que même Jean, coupe belle, gardez, coupe l'Éternel là, il était chaviré. Même Jean l'a vu, l'a vu, regardez. Dès que vous dans la sainteté, ou même de se faire grand prière, non, l'Éternel a marché avec vous. La grâce accompagné. Et ça fait dans Jérémie 1er verset 12. Regardez qui ça, mon Dieu dit oui. Dans Jérémie 1er verset 12, Dieu dit je marche, j'honore ma parole. Jérémie 1er verset 12. Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bon Dieu, c'est son seul bagage à veiller. C'est sur sa parole. C'est pas sous moi, mon Dieu veille. Regardez, est-ce qu'il y a une bonne vie attachée à la parole? Et en vérité, tout le monde qui a une vie qui est attachée à la parole, tôt ou tard, bon Dieu a retiré le côté lié. Est-ce que l'église est là? Depuis que vous attachez à la parole, bon Dieu, tôt ou tard, la vie est retirée. Côtoyer, ma sœur vient du comme ça. La vie doit être sanctifiée. Depuis là, vous sanctifiez, mon frère. La grâce de Dieu a descend quand même. Pour venir retirer. Regardez, si vous prenez quelques exemples avec vous. Regardez, bon Dieu, regardez. Si vous prenez Joseph, bon Dieu, fait une ballon promesse. Dieu dit, mais qui j'ai ma privé avec vous, mais qui compte ma privé avec vous? Frère Joseph, il a la gueule dans le puits. Il a retiré dans le puits, il a vendu comme esclave. Quand il a vendu comme esclave, il a dit, Potiphar, madame Potiphar, tu veux tomber dans le péché avec Joseph. Joseph dit, madame Potiphar, est-ce que nous pouvons mettre un grand mal devant Dieu? Joseph marchait dans la sainteté. Et puis la Bible nous dit, quand Joseph marchait droit, texte a dit, Dieu fut avec Joseph. Dieu marchait avec Joseph. Joseph entrait dans la prison.
Lui pas fait rien qui mérite prison, mais bon Dieu marche avec lui. Bon Dieu entre en prison. En vérité, il y a monde qui a marché droit à bon Dieu. Lui il doit souffrir aussi, mais demain si Dieu veut, bagay a changé pour la vie lui parce que la marché droit à bon Dieu. Les Joseph gain environ 2 ans en prison et puis bon Dieu dit Joseph classe a fini. Tribulation finie. Ou a sorti et ma foi deuxième grande tête dans le pays d'Égypte. Bon Dieu, levez Joseph. Si ma prends deuxième exemple, Shadrach, Meshach, Abednego, dans Esaïe chapitre 43, verset 1 à 2, bon Dieu dit peuple là, si nous traversons le fleuve, si nous traversons de l'eau, gloire va couvrir tête tout. Il dit si nous passons dans du feu va faire nous rien. Et puis qui s'est passé? Shadrach, Meshach, Abednego, ou a dit Nego, n'importe qui va prosterner devant, m'a mettre du feu sous lui, m'a brûlé là, dans la fournaise là. Et puis la Bible nous dit, il a chauffé la fournaise là 7 fois. Et puis, il a conduit Nego pour y aller dans la fournaise là. Et puis la Bible nous dit, les gens qui t'accompagnent, monsieur, ils sont tombés. Du feu a tout yé. Et puis malgré du feu à touiller, monsieur, Shadrach, Meshach, Abednego, il n'a pas avancé dans du feu. Ya. Du feu n'a pas fait rien. Parce que bon Dieu veillait sous parole. Ma sœur vient pour me terminer. Dieu veillait sous parole. Dès que vous vivez dans la parole de Dieu, du feu, les hommes n'ont pas fait en bataille. En vérité, dès que vous marchez avec la parole de Dieu, mal fait de la caille là, les n'ont pas fait en bataille. Parce que Dieu veillait sous parole. Et me déclare sous les là, que mon Dieu veille sous la parole qui a travers la vie, qui a marché dans la parole, qui a marché dans la sainteté, et que tout du feu, nous voyons la gloire là-dedans, la vérité, ou à rentrer là-dedans, ou à sortir, par rien qu'à privé, parce qu'on marche dans la sainteté, que Dieu vous bénisse. Vous entendez, frère José Pierre, qui t'a prêché dans l'église Nazaréen. Dego naïf. C'est pas pasteur comme jouer pasteur. C'est pas prophète comme jouer prophète. C'est pas Jack comme jouer Jack. N'importe monde capable tendre message ça. Mettre n'importe religion te ya ou à camper. Ou à chita. Ou à coucher. Même là t'as pas le tuyon. Même là, tu n'as pas levé mon dans le cimetière, mais de pourtant des citoyens à prêcher ou à camper pour tendre. Ce n'est pas vous-même, pas dit pasteur, fait 10, fait date. Ce n'est pas vous-même qui a joué fidèle. Je crois, après que je finis de poster vidéo, ça, majorité pasteur. En pile de monde qui ne connaît pas, je fais nous découvrir frère Josué. Mais c'est grâce avec Déteint Info. C'est pour raison ça, mandez-nous à supporter et abonner avec et supporter économiquement. Nous connaissons comment bagayoye dans la Coupe d'Haïti. Mais c'est bon, une belle image. En tout cas, tout le monde, Canada, nous saluons. États-Unis, Orlando, Florida et New York et Connecticut. Par contre, si je bien dit, anglais pas sous, je m'oublie anglais à la caille. Nous saluons. Mon Haïti, mon Saint-Domingue, nous saluons. La France, nous saluons. Et je toujours cherché. Qui t'a zimpoté bon nous, parce que nous agents politiques là, mené dans la Coupe d'Haïti là, hey, bagay yo red. Moun mouri. Yo kidnappé moun. Yo violé moun. Nous voyons ça qui a passé dans le monde là. 2022, ça pas venu pour la paix même non. Pas venu pour la paix. Pas deux bagay qui pas passé là dans là. Actuellement, ma parle avec nous là. Maman, tu es petite. Nous tendez ça qui se passe aux États-Unis là. Yo maman, tu es deux petites là. Après ça, il y a la police. Il dit qu'il n'y a pas besoin de timonie encore. Odette. Bagaille grave. Est-ce que Jésus-Christ pas loin pour venir? Oui. Très bientôt, la venir.
Mais si vous ne pouvez pas vous, vous pouvez aller quitter. Repentir. Parce que Jésus-Christ parle pour le venir. Ça a passé en bas de genoux là, bagay yo red passé tête chargée. En tout cas, et passez un bon après-midi en bas de Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Bye bye tout le monde qui t'attendait et gardez nous. Et pas oublier, abonner, commenter, partager. Et puis comme ça, nous allons permettre la chaîne Cause Peuple à pousser pour plus d'ouvre. Bye bye tout le monde. Ciao pour l'autre vidéo. À la prochaine.